Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est la fête de la Réformation. Le 31 octobre 1517, ça date, le 31 octobre 1517, le moine Martin Luther affiche 95 affirmations aux portes du château de Wittemberg. 95 affirmations qui peuvent se résumer en deux phrases. Le Christ seul sauve. On ne peut pas obtenir notre salut contre de l'argent. Et la deuxième phrase, le véritable trésor de l'Église, c'est l'évangile de la grâce de Dieu et non pas les traditions et les lois humaines. Le mot d'ordre qui nous est proposé pour ce matin, pour ce dimanche, dans toutes les églises d'Alsace, Bas-Rhin, Haut-Rhin et de Moselle, est le suivant. Nul ne peut poser un autre fondement que celui qui est en place, Jésus-Christ, seul fondement. Aujourd'hui, l'Église se souvient qu'elle n'est rien en elle-même. Sans cesse, elle est appelée à se laisser renouveler aux sources de l'Évangile, ce qui veut dire aussi que pour nous ce matin, l'Église, nous, toi, moi, nous devons nous laisser renouveler aux sources de l'Évangile. Alors, faisons confiance à cette parole qui est devant vous, qui est sur la croix, le Christ, parole de Dieu. Faisons confiance en cette parole, c'est Dieu qui nous rassemble. Alors, de tout cœur, moi, je vous souhaite la bienvenue. C'est plutôt vous qui devriez me dire bienvenue. Voilà, donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis le pasteur Daniel Reiss de la vallée de la Fench. Et puis, comme mon collègue Alexis est au Cameroun, et comme pour l'instant il n'y a pas de pasteur à Yutz, donc voilà, j'anime, mais pas seul, heureusement, avec toute une équipe d'Algrange, de Nilvange, de Thionville et de Yutz. Voilà, je ne me suis pas trop trompé, des quatre paroisses. Nous nous retrouvons ce matin de tout ce secteur pour louer, chanter, célébrer ensemble notre Dieu. Alors je sais que certains ont fait 5 minutes de voiture pour venir ici. Je sais aussi que certains ont fait 45 minutes de voiture pour venir ici. 45 minutes pour venir. Il y en a qui ont fait même une heure de voiture. Bienvenue. Bienvenue aussi pour celles et ceux pour qui c'est la première fois qu'ils vont fêter le culte de la Réformation. Je sais qu'il y en a. Vous levez la main, ceux qui pour la première fois, voilà, vous fêtez le culte de la Réformation. Voilà, bienvenue. Super. Alors on espère qu'au travers des chants, au travers de la parole, au travers du message, au travers de la musique, eh bien, nous puissions nous recentrer sur ce fondement, Jésus-Christ et le Seigneur. Ok ? Et puis, je souhaite la bienvenue aussi à toutes celles et ceux qui vont nous suivre sur YouTube. Même si c'est en replay, heureusement, Dieu parle à tout moment. Même si les gens regardent, vous allez regarder, chers amis, demain ou après-demain, Dieu est avec vous, si ce n'est que quelques minutes. Ensemble, nous voulons célébrer ce culte dans la joie et la reconnaissance. Hier après-midi, j'ai eu un appel. J'y ai pensé ce matin. J'ai eu un appel, alors je dis allô. La personne me dit comme ça, tel quel. Est-ce que vous auriez 2 places pour demain matin? Comme ça, oui, carrément. Est-ce que vous auriez 2 places? J'aimerais réserver 2 places pour demain matin. Alors j'étais là, j'ai dit, vous êtes au presbytère protestant, demain nous faisons un culte. Ah, excusez-moi, monsieur le pasteur, je voulais réserver une table pour le restaurant. J'ai fait un faux numéro, vous êtes sur ma liste, mais j'ai... Voilà, il avait fait un faux numéro, il est tombé sur moi. Alors, sachez que il n'y a pas besoin de réserver avec le Seigneur. Vous pouvez venir à tout moment et vous a préparé une belle table. Il vous a préparé une belle table. Elle est là devant vous. Et le plus important, c'est de pouvoir accueillir le Seigneur dans son cœur. Alors, je vous invite à la prière.
prions ensemble. Seigneur, c'est vrai que avec toi, il n'y a pas besoin de réservation. Tu aimes le tête-à-tête et plutôt le cœur à cœur. Et ce matin, nous ouvrons nos cœurs à ta présence. Nous voulons te dire que ce culte est pour toi. C'est pour toi qu'on est venu. Tu nous as poussés à nous lever et à venir ce matin, malgré les distances et les préoccupations et les dispositions de nos cœurs. Tu nous connais, tu nous appelles chacun. Alors Dieu notre Père, nous te prions d'ouvrir nos oreilles, nous te prions d'élargir notre cœur et viens faire grandir notre foi. On a besoin d'être encouragé ce matin, on a besoin d'entendre ta parole, on a besoin que tu nous parles et que cette parole agisse en nous. Au nom de Jésus-Christ, souffle ton esprit et remplis ce lieu de ta présence. Amen. Alors, je vous invite à prendre le premier chant qui est interprété, voilà, vous avez vu qu'il y a un beau groupe musical qui est devant vous, des quatre paroisses. J'entrerai dans ces portes avec la joie dans mon cœur, les trois strophes, et je vous invite à vous lever pour le chanter. Psaume, chapitre 46, versets 2, 4 et 9 à 12. Au chef des chantres, des fils de Corée, sur Alamoth, Cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite.
Et je vous invite à prendre le psaume 47 en chantant la première et la troisième strophe. Sauveur, présentons-nous devant lui, chantant notre reconnaissance, faisons-lui une ovation en musique. C'était le psaume 95. Gloire à toi, ô Seigneur Jésus, car tu nous appelles à t'aimer. Tu nous impliques dans ton royaume. Tu nous appelles tes amis. Tu nous attends à chaque instant de notre vie. Alors, nous te répondons oui ce matin encore. Oui, nous t'aimons. Oui, nous voulons prendre la place que tu nous prépares. Oui, nous voulons te suivre et te faire confiance. Merci pour ton esprit qui nous remplit de joie et de paix. Tu accomplis une œuvre en nous qui va fleurir et porter un fruit abondant. La seule chose que nous avons à faire, c'est rester sur le chemin de la vie, avec toi, ô Seigneur. Et le psaume 95 nous dit encore, « Car notre Dieu, c'est toi. Nous sommes le peuple dont tu es le berger, le troupeau que ta main conduit. » Amen. Thank you.
Notre Dieu, dans ta parole, tu nous dis, tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Tu sais combien nous résistons bien plus à ta parole qu'à nous-mêmes. L'amour, nous le réduisons à quelques-uns de nos amis. La joie, nous la réservons à quelques instants de nos vies. La paix, nous ne la trouvons que par moments. La patience, nous ne l'exerçons que lorsque nous en avons le temps. La bienveillance, que lorsque nous en avons besoin. La douceur, nous la réduisons bien souvent à la faiblesse. Et la maîtrise de soi, nous l'affichons comme si elle dépendait de nous et non de toi. Donne-nous de marcher avec toi, ô Éternel, et viens toi-même dans nos vies faire la place qui te revient. Alors, nous serons libérés, transformés par ta parole. Seigneur, écoute-nous et prends pitié. Amen. Et nous continuons cette prière avec le chant « Mon Dieu, mon Père, je vous invite à vous lever ». Et de pardon. Dans Romains 3, il est écrit : Dieu rend juste les êtres humains par leur foi en Jésus-Christ. Il le fait pour tous ceux qui croient au Christ, parce qu'il n'y a pas de différence entre eux. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais dans sa bonté, Dieu les rend justes gratuitement par Jésus-Christ, qui les libère du péché. Que celui qui met sa confiance en Dieu reçoive du Père l'assurance du pardon dans son cœur et reçoive de Jésus la joie. Dieu nous fait grâce, Dieu nous sauve, Dieu nous libère. Amen. Pas que des mots à lire, mais des mots à vivre, donnés en vue de la foi et de l'action. La Bible est vivante, elle me parle. Elle a des pieds, elle court après moi. Elle a des mains, elle me saisit.
Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, nous voulons te remercier pour tous les témoins fidèles que tu as suscités, particulièrement dans notre secteur. Merci pour celles et ceux qui ont fait briller l'Évangile dans nos communautés. Accorde-nous à notre tour de proclamer avec joie ta parole, qu'elle nous renouvelle jour après jour. Accompagne la marche de ton Église en ce monde, afin qu'elle te reste fidèle. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Romains 3, versets 21 à 28. Mais maintenant, Dieu a montré de quelle façon il nous rend justes sans la loi. Dieu rend justes les êtres humains par leur foi en Jésus-Christ. Il le fait pour tous ceux qui croient en Christ, parce qu'il n'y a pas de différence entre eux. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais dans sa bonté, Dieu les rend justes gratuitement par Jésus-Christ, qui les libère du péché. Dieu l'a offert en sacrifice. Alors, par sa mort, le Christ obtient le pardon des péchés pour ceux qui croient en lui. Ainsi, Dieu a voulu montrer qu'il est toujours juste. Il l'était autrefois, quand il a été patient et n'a pas puni les péchés des êtres humains. Mais il est juste aujourd'hui, puisqu'il veut à la fois être juste et rendre juste ceux qui croient en Jésus. Alors, est-ce qu'il y a encore des raisons de se vanter? Non, pas du tout. Pourquoi donc? Parce que ce qui compte, ce n'est pas d'obéir à la loi, c'est de croire. Oui, nous pensons ceci. Les êtres humains sont rendus justes parce qu'ils croient, et non parce qu'ils font ce que la loi demande. Deutéronome, chapitre 6, versets 4 à 9. Écoute, peuple d'Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les enseigneras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras assis chez toi, quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Pour ne pas les oublier, tu les attacheras sur ton bras et sur ton front. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. L'Église protestante réformée est particulièrement liée à Jean Calvin. Voilà, il est né en 1509. Et ce matin, j'aimerais vous partager mes découvertes. Vous savez, dans les études que j'ai pu faire en théologie à Strasbourg, j'avais un prof très connu qui était un spécialiste de Luther, Marc Linhart, un grand professeur émérite qui connaissait très bien Luther et qui nous a donné envie de connaître et de mieux apprécier Luther. Par contre, Calvin, excusez-moi pour ceux qui regardent et qui, nous avions un professeur qui manquait un petit peu d'enthousiasme, et c'est vrai que Calvin s'est passé un petit peu au-dessus de ma tête. Pourtant, je suis réformé, mais ça ne m'a pas beaucoup intéressé. Et puis, j'avoue que là, en préparant ce message depuis presque un mois, j'ai pu découvrir des choses de Calvin, ou plutôt redécouvrir des choses importantes, des découvertes qui m'ont nourri. Alors moi, j'espère de tout cœur que pour vous ce matin, ce que je vais dire, ça va vous nourrir et vous interpeller. Il y aura trois points, trois axes de la vie spirituelle de Calvin et comment ça peut nous influencer pour nous aujourd'hui, dimanche 31 octobre 2021. Le premier axe, je t'offre mon cœur. Voilà ce que Calvin va dire. J'ai été visité par Dieu. Je t'offre mon cœur. Voilà ce que Calvin va dire parce qu'il a été visité par Dieu. Comment ? Ça vous intéresse de savoir comment Calvin a été visité par Dieu ? En écoutant un message lors d'une prédication faite par Nicolas Cop. Et cette visite
bien sûr, va profondément le marquer, et va marquer toute sa réflexion, sa spiritualité, sa vie de prière. Il croit en l'amour de Dieu. Je t'offre mon cœur. Calvin croit en l'amour de Dieu et lui offre son cœur. J'espère que de tout cœur que nous croyons en l'amour de Dieu. Et regardez, voilà, le sceau de Calvin. C'est cette pièce de monnaie. À votre gauche, il y a Calvin. Bon, il est un peu triste. Au niveau de la joie, on pourrait faire beaucoup mieux. C'est un petit peu... Il a une tête d'enterrement, si on peut dire. Et à droite, vous voyez, il y a cette main qui porte un cœur, et ce cœur est comme éclairé par une lumière divine. Et le texte qui est autour de cette pièce de monnaie, écrit en latin, voilà ce qui est écrit. « Je t'offre mon cœur prompt et sincère. » Prompt, ça veut dire sans hésitation, avec zèle. Il ne remet pas à demain sa décision. Il ne remet pas plus tard. Vous voyez sa disposition d'esprit ? Prompt et sincère, sincère en vérité. Offrir son cœur à quelqu'un, c'est une déclaration d'amour. Pour Calvin, la foi est un acte d'amour exclusif pour Dieu. Et la réponse de Calvin à l'amour de Dieu va être radicale. Une offrande de son cœur, il décide de mettre Dieu désormais en premier dans sa vie, de lui appartenir et de lui soumettre sa volonté. Waouh ! Soumettre sa volonté. Et voilà ce qu'il va dire, ou plutôt, j'en ai résumé. Pour Calvin, la foi est donc davantage confiance que connaissance. Le cœur doit être touché avant le cerveau. Et l'expérience éclaire l'intelligence. L'expérience éclaire l'intelligence. Oui, la vraie théologie n'est pas une science théorique, mais pratique. C'est le cœur, le centre de la personnalité qui répond à l'amour de Dieu. L'évangile entre dans notre cœur pour que notre cœur soit transformé. Et comment il est transformé ? Par l'action du Saint-Esprit. C'est un cœur nouveau. Celui qui est annoncé dans Ézéchiel. Je vous invite à lire ensemble ce texte d'Ézéchiel, c'est quelques versets. Ézéchiel 36, verset 26. Ensemble. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enleverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Nos cœurs peuvent être transformés. Ça, c'est pas une bonne nouvelle ? Être transformé, c'est toujours possible. Regardez Moïse. Moïse, son cœur a été transformé. Il était colérique et est devenu patient et est devenu le grand libérateur. Regardez Gédéon. Gédéon était un homme découragé, apitoyé sur lui-même, incrédule. Et pourtant, il est devenu l'un des plus grands héros de la foi. Regardez Pierre. Vous savez Pierre, hein ? Qu'est-ce qui s'est passé avec Pierre ? Il a trahi. Il a renié Jésus. Et pourtant, il est devenu le chef des disciples, si on peut dire. Et regardez Paul. Comment il a été transformé, Paul ? Un homme qui détestait les chrétiens, qui les persécutait, il est devenu l'une des figures majeures de la diffusion du christianisme. Et Luther et Calvin se sont basés sur les écrits de Paul. Être transformé, mon frère, ma sœur, mes amis, être transformé, c'est toujours possible. C'est parfois difficile, mais c'est possible grâce à l'aide de Dieu. Et moi j'aimerais, puisque nous sommes rassemblés des quatre paroisses sur Algrange, Nilvange, Thionville et Hutz, j'aimerais, en voyant cette carte, nous dire, mais Seigneur, on est là, quatre communautés, plus ou moins vivantes. C'est difficile. Ma prière, ça serait, Seigneur, moi je t'offre mon cœur.
J'expose mon cœur, ma vie à l'Esprit Saint, transforme mon regard sur les trois autres paroisses. Transforme mon cœur sur les trois autres paroisses. Je suis sûr qu'en voyant l'image, vous êtes automatiquement regardé sur votre temple, je suis sûr. Voilà. Seigneur, ouvre mon cœur pour que je puisse voir l'autre communauté. Transforme mes relations et révèle-nous l'amour de l'unité. Regardez comme c'est bien d'être ensemble. Quelle joie de pouvoir accueillir d'autres personnes encore ce matin. Ils seraient heureux de venir dans un lieu comme ça. Seigneur, révèle-nous l'amour de l'unité et conduis-nous dans notre réalité. Ma prière, oui, c'est unis-nous. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième, je t'offre mon cœur. Le deuxième, nous ne nous appartenons pas. Voilà ce que dit Calvin. Tel quel, voilà une phrase célèbre, concise, claire, biblique. Nous ne sommes point nôtres, mais nous appartenons au Seigneur. On va lire ensemble ce court verset. Dans 1 Corinthiens 6, 19. Vous le savez, votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Cet Esprit est en vous et Dieu vous l'a donné. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Et il continue, j'ai résumé avec ces quelques phrases. Écoutons Calvin. Nous ne nous appartenons pas. Que notre raison et notre volonté ne dominent pas dans nos réflexions et nos décisions. Ça commence. Ne nous appartenons pas. N'ayons pas pour objectif ce qui nous plaît selon nos pensées. Selon notre chair, dira Paul. Nous ne nous appartenons pas. Oublions-nous nous-mêmes autant que possible. Nous sommes au Seigneur. Que sa volonté et sa sagesse dirigent nos actions. Nous sommes au Seigneur. Oh, que de bienfaits a reçu la personne qui, sachant qu'elle ne s'appartient pas, a renoncé à l'autonomie et à la domination de sa propre raison pour les remettre à Dieu. Waouh ! Vous êtes calviniste ? Vous voyez ? Et Calvin résume cela avec deux mots. On ne s'appartient pas. Il résume en deux mots, humilité et service. Ça va parler à quelques-uns. Humilité et service. Jésus, notre maître, sa vie ne lui appartenait pas. Je suis venu pour servir et non pas pour être servi. C'est bien loin des valeurs de notre société. On pousse nos enfants à l'âge de 3 ans à leur dire « Domine, sois plus fort, écrase les autres, tu vas devoir te battre pour arriver. » Je ne suis pas venu pour les bien portants, dit Jésus, je suis venu pour les malades, pour ceux qui se sentent malades. Moi, ce que je vois pour avoir une vision un petit peu au niveau du monde entier, si je peux dire comme ça, je perçois qu'en ce moment, depuis une dizaine d'années, l'Esprit de Dieu, quelle que soit l'Église, écoutez-moi bien, catholique, évangélique, orthodoxe, réformée, luthérienne, et puis tous les istes qu'il peut y avoir, toutes les églises chrétiennes, je ressens que, et je suis pas seul à voir ça, que l'Esprit de Dieu pousse les communautés, qu'elles soient grandes ou petites, pousse les communautés au service et à l'humilité. Avant, c'était davantage les catholiques qui, c'est vrai, avaient cette sensibilité du service, le diaconat. Ils aimaient, voilà, ils aiment toujours bien sûr, être au service des autres. Les protestants, un petit peu moins quand même, c'est la réalité. Maintenant, ça touche toutes les églises. Être proche des blessés de la vie. Mon frère, ma sœur, Dieu nous attend maintenant. Quand on est proche aux blessés de la vie, voilà là où Dieu nous veut. Se faire proche de celui qui a mal dans son corps. Il y a des malades ici.
être proche de celui qui a un mal-être. Vous avez vu cette jeune de 12 ans qui s'est suicidée à cause de l'harcèlement. Vous voyez la détresse psychologique de nos jeunes et des adultes, être proche d'eux. Se faire proche de celui qui est tourmenté dans son esprit. Hier, j'ai eu un appel, hier, il disait, monsieur le pasteur, il y a 15 jours, j'ai fait appel à une prière, je me suis adressé à des esprits, parce que j'ai appris une prière pour couper le feu. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a certains qui connaissent peut-être, des coupeurs de feu. Voilà, ils s'adressent bien sûr pas à Dieu, mais à des esprits. Et puis la personne a dit, monsieur pasteur, je suis mal à l'aise avec ça. Je suis perdu, je suis pas bien en moi. Servir ces personnes-là, avec humilité, prendre soin, comme le Samaritain. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous parle? Être proche? Je suis venu pour les malades. Si nous acceptons à nous rendre serviteurs des plus petits dans la société, quelle que soit leur pauvreté, si nous nous rendons serviteurs à ces personnes, alors nous commençons à entrer dans le projet de Jésus. Dans nos communautés, nous avons tous des personnes dont nous avons du mal à prendre soin. Alors on se dit qu'on n'est pas nombreux pour le faire, on ne sait pas trop comment le faire, et puis on en a marre d'aider les autres parce qu'on s'est fait avoir, vous voyez ce que je veux dire? Mais quand on est ensemble, ce matin, regardez cela, ensemble, on peut s'encourager. Regardez ce groupe musical. Véronique me disait, mais seul, j'en avais marre de jouer au violon. Mais oui, mais quand on est à deux, à trois, à plusieurs à jouer, on s'encourage. Ça fait du bien à notre cœur. Voilà là où le Christ nous attend. Ma prière, c'est être unis et encourageons-nous. Les quatre communautés, Algrange, Nivange, Thionville et Lutz, on ne peut plus rester seul. Il y a de moins en moins de pasteurs, et il y en aura de moins en moins. C'est un fait. Et puis on ne peut plus entretenir nos édifices, puis on est fatigué. On a besoin d'être ensemble. Bon, c'est vrai que moi je suis plus concerné parce que je suis seul pour tout le secteur de la Vallée Fenge, Thionville, les Yutz, et même des fois à Gondange et ailleurs encore. Mais on ne peut plus fonctionner comme avant. On a besoin de s'unir et de s'encourager. Je suis sûr que le prochain culte que l'on fait ensemble, il y aura 2-3 personnes musiciens en plus. Je suis persuadé. Parce que ça va encourager d'autres. Le monde attire le monde. Mais quand on est à 12, les gens y partent. Ils s'enfuient. C'est normal. Et quand on est à plusieurs, on s'encourage. Voyez, vous êtes d'accord avec moi? Merci. Merci. Ça fait du bien. Ben oui, mais on est là ensemble, c'est pour s'encourager et s'unir. Et on termine. Le troisième axe. Mon cœur, ne nous appartenons pas. La parole de Dieu, mon trésor. Voilà ce que dit Calvin. La parole de Dieu, mon trésor. Écoutez-moi bien. Calvin disait, l'écriture sainte est toute notre sagesse. Il nous faut écouter Dieu qui y parle sans rien y rajouter. Et continue. La Bible est la pâture unique de nos âmes pour les nourrir jusqu'à la vie éternelle. Et enfin, la Bible, lire la Bible, oui, mais surtout rencontrer par elle le Christ, la parole vivante du Christ, Jésus, la parole, et huile et confiture, sans laquelle toute viande est sèche, celle pour donner goût et saveur à toute doctrine qui autrement serait fade. Bref, le Christ, parole, c'est miel en la bouche, mélodie aux oreilles, liesse au cœur, médecine à l'âme, et que tout ce qu'on peut disputer n'est que fadaise si ce nom y résonne. Ah,
ça fait du bien de dire les choses comme ça. Vous voyez ? La parole du miel, une confiture qui fait du bien. Médecine à l'âme. Elle est où ta Bible ? Quand est-ce que tu l'as lue pour la dernière fois ? Dans la vallée de la Fench, un petit témoignage pour finir, on a trouvé dans le grenier du temple de Nilvange une centaine de Nouveaux Testaments. Alors on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Et puis, en réfléchissant, on leur a proposé ces Nouveaux Testaments à chaque enterrement. Quelqu'un était à la sortie, sur un plateau, prenez, servez-vous, je l'annonçais déjà. En 6 mois, tous les nouveaux, des centaines de Nouveaux Testaments et évangiles, de beaux évangiles qui sont attrayants et faciles à lire, ont été distribués. J'étais étonné et surpris par la faim et la soif de la parole. Les gens viennent à un enterrement, il y a des fois 50, 100, 200 personnes, et ressortent avec une Bible, un Nouveau Testament, ça suffit déjà, pas la Bible, c'est déjà beaucoup, un Nouveau Testament avec une petite note explicative. Et j'ai eu des retours de ça. Cette parole qui me nourrit. Alors, oui, distribuons cette parole. Faisons-la connaître, cette bonne nouvelle. Il y a tellement de mauvaises nouvelles et de fake news. On a tellement de mauvaises nouvelles, on a besoin d'entendre une bonne nouvelle. C'est ce qu'on appelle évangéliser. Dire la bonne nouvelle, c'est évangéliser. Et c'est le thème central de l'UEPAL en 2021. Et l'offrande ce matin sera destinée à l'UEPAL, à notre église, pour tous les projets d'évangélisation. Si nous apporter l'évangile, apporter cette belle histoire d'amour. On a la plus belle histoire d'amour à faire connaître. Dieu a tant aimé le monde. Et Paul dira, l'amour du Christ nous presse. Dieu lui-même vous adresse un appel au nom du Christ, nous en supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Nous sommes appelés à faire connaître cette parole. Oui, nous sommes les disciples appelés à suivre notre maître. Nous sommes les apôtres envoyés par lui vers les autres. Nous sommes témoins de la résurrection du Christ. Nous sommes ambassadeurs, c'est au nom du Christ que nous agissons. Et nous avons un trésor à partager. L'indice nous dit... Et comment croire au Seigneur si on n'a pas entendu parler de lui ? Et comment entendre parler de lui si personne ne l'annonce ? Et comment l'annoncer si personne n'est envoyé pour cela ? L'Écriture le dit, quelle joie de voir arriver ceux qui apportent de bonnes nouvelles. Non ? C'est beau. Nous avons ensemble à communiquer cette bonne nouvelle. Christ est la vérité, c'est lui-même qui le dit. Nous témoignons de cette vérité. Nous témoignons que Christ est la vérité. Ce n'est pas nous. Nous ne sommes pas la vérité. Le Christ l'est. Nous témoignons de cela et nous croyons et nous essayons de le partager autour de nous dans notre chemin de vie. Et cette vérité donne un sens à notre vie, une raison de vivre, une direction. Dieu nous envoie. On a le droit et on a même le devoir de proposer la vérité. De proposer autour de nous la personne de Jésus, sans jamais imposer quoi que ce soit, mais avec joie et conviction. Et si chaque personne ici amène une personne dimanche prochain, il y aura 200 personnes, en amenant qu'une seule personne, il y aurait 200 personnes ici. C'est simple. Voilà, nous sommes les 4 paroisses ici ensemble. Réveillons-nous. Laissons la dynamique de la présence de Dieu, de ce souffle de Dieu, nous réveiller, nous ressusciter et de pouvoir nous mettre ensemble à partager cette bonne nouvelle. Et Dieu va le faire. Et Dieu est présent et il attend que ça. Que ça.
si maintenant, voilà, et je terminerai par cette question, s'il mettait en nous, en nos cœurs, une action commune pour faire connaître les autres, pour faire connaître aux autres cette belle histoire d'amour. S'il mettait en nos cœurs une action commune. Hier soir, il y avait une émission de l'église Portes Ouvertes qui encourage les chrétiens persécutés, et le pasteur algérien a donné ce témoignage. Un de ses amis a trouvé sur la plage, ceux qui l'ont entendu peuvent aussi le dire, a trouvé sur la plage une page de la Bible avec Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et à partir de cette page de l'Évangile, il a rencontré le Christ, il s'est donné au Christ. C'est ça ? C'était interpellant. Une page de la Bible sur la plage. Et le cœur a été transformé. On a une belle parole, parole de vie à transmettre. Je terminerai. Voilà. Je résume ces trois axes. Je t'offre mon cœur, unissons-nous. Nous ne nous appartenons pas, encourageons-nous. La Bible, Jésus, mon trésor, réveillons-nous. Quel défi pour nous ce matin. Pendant l'interlude musicale, j'aimerais vous laisser cette parole. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi ? Simplement cette question, cette prière. Et vous savez qu'elle vous engage. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi ? Amen. Ça fait du bien. Je vous invite ensemble à confesser notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel,
et il s'assit à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois l'Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la vie et la vie. Amen. Qu'il était juste et bon de pouvoir prendre ce repas ensemble, librement, bien sûr. Et nous allons nous préparer pour pouvoir, avec tout ce qu'on a pu entendre et tout ce que l'on vit dans nos secteurs, dans nos paroisses, de pouvoir recevoir de Dieu la force et l'amour dont on a besoin pour être unis, s'encourager et se laisser réveiller par Jésus. Alors préparons-nous à prendre ce repas. Prions ensemble. Alors Seigneur, c'est notre joie de te louer ce matin, tous ensemble. Vivre ce moment ensemble sous ton regard, toi notre Dieu, notre Père, par Jésus-Christ, ton Fils qui est devenu notre frère et notre Seigneur. Jésus, tu es venu à notre rencontre. Tu nous as rencontrés et tu nous as fait découvrir ta miséricorde.
Merci Seigneur de continuer à nous transformer et à renouveler ton Église. Souffle ton esprit sur nous ce matin. Avec tous les croyants qui nous ont précédés dans la foi, dans nos communautés, tous ces et ceux qui étaient là avant nous, qui nous ont parlé du Christ, avec tous ceux qui au cours du siècle n'ont cessé de réformer ton Église, et avec les anges qui te louent sans cesse, nous voulons proclamer ta gloire, te célébrer et te chanter d'une seule et même voix, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Pouvons-nous lever pour le chanter ? Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Seigneur Jésus, dans la nuit où fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le dit aux disciples, « Prenez, ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Et de même, après avoir soupé, Jésus prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Maintenant, Père, nous voici réunis pour partager ce pain, le fruit de la vigne, en mémoire de ton Fils. Que ce pain, que cette coupe, devienne par ton esprit des signes dont notre foi a besoin. Qu'en prenant ce pain et cette coupe, nous puissions être fortifiés, que nous recevions des forces nouvelles jusqu'au jour où nous vivrons dans la plénitude de ton royaume. Seigneur, tu es la vie, tu es la source de la vie, tu es l'amour. Bois le pain, bois cette coupe, que ton souffle vivant nous donne maintenant communion au corps et au sang de ton Fils Jésus. Alors, tu nous vois rassemblés ici et tu connais nos communautés. Tu vois les joies, les difficultés, les signes d'unité et de division aussi qu'il y a entre nous, entre frères et sœurs. Alors toi qui t'es laissé offert sur la croix, eh bien, nous te demandons pardon pour toutes ces divisions, pour toutes ces pensées, toutes ces paroles qui ont pu être dites vis-à-vis des autres communautés, toujours en train de comparer, de jalousie. Seigneur, voilà, on est là et on veut vivre ce moment sous ton regard d'amour. Fais venir ton souffle d'unité, ton souffle de vie, Père. Unis-nous. Agis en nous, Saint-Esprit. Et équipe-nous pour être tes enfants qui vivent de l'Évangile. Merci de nous envoyer, nourris par ta parole, par ce pain et cette coupe. Merci Seigneur. Amen. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé.
et sœurs. Voici le repas que nos mains ont préparé, mais où le Seigneur lui-même nous donne la nourriture. Voici la table qu'on a dressée, mais que Jésus lui-même préside. Voici la joie qu'on désire, mais que lui-même, le Christ, nous donne. Voici le pain, le jus de raisin dont on a besoin et que lui-même va distribuer. Le Maître nous appelle, le Maître nous appelle tous. Que nul ne se prive de la grâce qui nous est faite maintenant. Tout est prêt. Le pain que nous rompons, les communions au corps de notre Seigneur Jésus, livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Je suis le pain de vie, je le donne à vous. Nourrissez-vous de moi. Prenez, mangez. Heureux ceux qui ont faim, vous serez nourris. Il n'y a pas besoin de réserver ces accueils. Je suis le pain de vie, dit Jésus. Je me donne à vous, je suis le crucifié. Nourrissez-vous de moi. Laissez-moi entrer et demeurer en vous. Prenez et mangeons-en tous. Amen. En prenant cette coupe de l'Alliance, nous pouvons aussi penser aux autres communautés ici présentes, qui n'est pas la nôtre, et de pouvoir bénir peut-être celui qui est en face de nous, à côté de nous, qu'on ne connaît pas, mais qui est là comme toi, qui a besoin de Christ comme toi, de pouvoir bénir les autres communautés que l'on connaît peut-être peu ou pas. Ouvrons nos cœurs à ce souffle d'unité. Jésus a prié que nous soyons un, comme le Père et lui sont un. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce et communion au sang de notre Seigneur Jésus, prenez et buvez-en tous. Amen. Ce repas. Merci d'avoir pu le prendre ensemble et accorde-nous de vivre de cette nourriture, de te célébrer toujours avec joie, d'être témoin de Jésus-Christ. Alors, envoie-nous, Seigneur. Envoie-nous dans la joie et dans la paix avec cet amour, ce lien qui nous unit entre frères et sœurs et avec toi. Par ta grâce, nous te remercions. Amen. Je vous invite à prendre place. Quelques annonces, de faire bref au niveau de nos communautés. Au niveau de la vallée de la Fench, dimanche prochain, le culte est à Nilvange. La semaine d'après, c'est à Algrange. Et puis, donc le 14, et le samedi 13, il y a une formation biblique qu'on propose pour tout le secteur, que ce soit Thionville, Lutz et ailleurs. Voilà, un temps de formation biblique qui s'appelle le fil rouge. Ce n'est pas en lien avec Portes ouvertes, mais c'est un autre. Ça s'appelle aussi le fil rouge. Et puis, on va évoquer le Dieu de l'Alliance. Donc, le samedi 13, à Nilvange, à 14h30.
pour la paroisse de Yutz, donc la semaine prochaine, samedi soir, il y aura au temple un concert des jeunes talents. Le lendemain, le dimanche 7, nous aurons donc un culte musical, puisque nous aurons la chance de bénéficier encore de la présence d'un piano dans le temple. Donc culte à l'heure habituelle à 10h. Comme culte un petit peu spécifique, le 21, il y aura le culte joie et peine, donc qui nous permettra de nous remémorer les événements joyeux ou un peu plus tristes de l'année qui s'est écoulée. Et je vous annonce aussi, j'en profite aussi pour vous annoncer que notre kermesse paroissiale aura lieu le 28 novembre, le dimanche, à l'amphi. Voilà. Alors en parlant de kermesse, de fête paroissiale, nous avons notre fête paroissiale dimanche prochain. Alors ce sera que le dimanche qu'il y aura la kermesse. Par contre, il y aura donc notre traditionnelle choucroute que, si vous voulez, vous pouvez venir chercher le samedi matin déjà, puisqu'il y aura déjà des choses à emporter le samedi et le dimanche. Et par contre, le dimanche, il faut absolument s'inscrire et il faut avoir le pass. C'est la contrainte qui nous est faite. Donc, si vous voulez vous inscrire, vous voyez avec les conseillers, et donc pour prendre vos inscriptions. Alors, avant de sortir tout à l'heure, nous avons aujourd'hui la chance d'avoir une exposition sur la Réformation, qui est donc sur votre droite à vous, sur ma gauche à moi. Et donc, vous pourrez un peu visiter cette exposition. Et elle sera là encore la semaine prochaine pour justement redécouvrir un petit peu Luther, un petit peu Calvin. Tout est écrit là, alors profitez-en. Moi, je voulais aussi vous dire un grand merci à chacun qui est là, et en particulier cette joie que j'ai qu'entre 10 ans et 74 ans, je ne dirai pas qui c'est, mais... entre 10 ans et 74 ans, des musiciens sont venus pour nous faire vibrer, nous faire chanter. Alors que ce soit l'orgue ou que ce soit la guitare, au piano, au banjo, au violon, je crois que j'ai oublié, trompette, pardon, voilà. Excuse-moi. Qu'ensemble, on s'est pris une petite répétition qui nous a fait vraiment du bien. Et ça fait vraiment du bien, comme disait Daniel, de pouvoir nous aider, nous entraider les uns les autres. Alors, durant cette semaine, comme il y a la kermesse, il y a aussi du boulot et du service. Et donc, mercredi après-midi, il y a un atelier Spritz. Alors, les Alsaciens connaissent bien les Spritz. Et donc, il y aura un atelier à 14h30, ici, au foyer. Et il nous faudra également de la main-d'œuvre vendredi après-midi pour pouvoir mettre en place toutes les tables et les chaises et mettre en place toute la kermesse. Alors, vous êtes cordialement invités à venir nous donner un coup de main. Autrement, je pense que c'est tout. Juste encore un merci à Daniel de nous avoir boosté dans nos communautés, que nous allons ensemble vers l'unité. Pour ceux qui ne connaissent pas, Denis, président du conseil de Thionville, et Christine, présidente du conseil de Yutz. Voilà, faites bien aussi de présenter, et c'est vrai, un grand merci à tous les musiciens, tous ces et ceux qui ont fait que ce lieu soit aussi accueillant pour nous tous. L'offrande, bien sûr, se fait à la sortie. Et comme je l'ai dit, donc, elle est reversée à notre église, à l'UEPAL, et elle servira à mettre en place les projets sur le thème de l'évangélisation. Alors, Seigneur, tout ce qui est dans le ciel et sur la terre t'appartient. C'est de toi que nous avons tout reçu. Accepte cette offrande que nous te remettons et inspire et conduis tes enfants qui vont utiliser cette offrande. Au nom du Christ, nous te prions. Amen.
Et je vous invite à vous lever pour prier ensemble pour ce monde et pour nous-mêmes. Dieu notre Père, tu aimes le monde que tu as créé et c'est pourquoi nous t'adressons nos prières. Pose ton regard sur nos quatre paroisses, souffle ton esprit sur nous. Accorde-nous la force de croire malgré l'état de nos communautés. Accorde-nous le courage de reconnaître nos erreurs. Accorde-nous le désir de vivre en unité avec nos frères et sœurs. Accorde-nous la volonté de dépasser nos échecs et d'oser prendre des initiatives adaptées à la réalité d'aujourd'hui. Dieu notre Père, nous te prions plus particulièrement pour la paroisse de Yutz. Fortifie-la dans la recherche d'un nouveau pasteur. Viens, Saint-Esprit, transforme-nous et renouvelle notre secteur et ton Église. Dieu notre Père, pose ton regard sur les personnes qui en ces jours sont dans la détresse, qui souffrent de la solitude, qui se battent avec la maladie, qu'elles ressentent que tu leur es proche. Pose ton regard sur les personnes qui exercent un pouvoir et ont de l'influence dans la société, qu'elles trouvent des voies qui mènent à la justice et à la solidarité. Pose ton regard sur le Soudan qui vient de vivre un coup d'État. Que la paix y soit rapidement rétablie. Protège nos frères et sœurs. Donne-leur la sagesse nécessaire en ces temps incertains. Notre Père, nous te confions dans le silence tout ce qui nous tient particulièrement à cœur. Et ensemble, unis par ton esprit, nous te prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu le Père, que la communion et l'amour du Saint-Esprit soient avec vous tous dès maintenant et à jamais. Ce Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit te bénit et te garde. Amen. Et nous chantons « À toi la gloire, au ressuscité » les trois strophes. Thank you.
entendre ce chant aussi ensemble. Voilà, alors avec cette joie, allez et puis annoncez la bonne nouvelle. Bon dimanche et à bientôt.